Je m'appelle Cédric Clapiche, je suis réalisateur. Je viens de faire une exposition de photos. On est à la Galerie Cinéma et ce sont des photos que j'ai faites pour les repérages de mon prochain long métrage qui s'appelle « Ce qui nous lie » et qui sort le 14 juin. C'est troublant pour moi cette exposition parce que d'habitude, d'une part, tous les films que j'ai faits sont dans des villes. C'est beaucoup tourné vers les couleurs, c'est-à-dire que ce qui m'impressionne dans la nature, c'est comment la nature est toujours juste. Si vous voyez une prairie avec des fleurs, ben finalement les couleurs elles vont toujours être accordées, ce qui est beaucoup plus difficile quand on est peintre. Alors l'exposition s'appelle Nature humaine parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais impressionné par les paysages de Bourgogne, puisque j'ai filmé en Bourgogne, où tout est dessiné, tout est aligné, et les paysages sont vraiment fabriqués par l'homme. Quand j'ai rien d'autre, je prends des photos avec mon iPhone. Mais sinon, j'ai pris ça avec des appareils photo numériques, dont un Sony Alpha 7 pour ceux qui connaissent. Les repérages des films, c'est toujours anarchique parce que souvent, c'est des promenades, en fait. On pourrait appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est qu'on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qui va vous troubler. Il y a tout un mur qui est sur vraiment le rapport des fleurs avec des intérieurs. C'est un thème, c'est devenu un thème, le motif floral. J'aime bien ce regard croisé entre les hommes et les plantes. J'ai fait de la photo avant de faire du cinéma. Je savais même pas d'ailleurs si j'allais plutôt devenir photographe ou réalisateur. Et je pense que c'est comme un sport. Il faut beaucoup le pratiquer. Et puis il y a des jours où il y a quelque chose de particulier qui se passe.